Harlan est parti de rien et est devenu un des auteurs de romans policiers les plus connus de tous les temps. Ses œuvres sont traduites en 30 langues, plus de 80 millions d'exemplaires vendus. Vous êtes des fans ? Non, personnellement, je ne lis que très peu de romans. Moi, je suis fan, je suis un très grand fan. Mais c'est qui, lui ? Monsieur Blanc est un détective privé très renommé. J'ai lu un tweet d'un article du New Yorker qui parlait de vous. Ah, mais vous êtes une célébrité ! Le soir de sa mort, la famille s'était réunie pour fêter les 85 ans de votre père. Votre fils Ransom était également présent ? Oui, mais il est parti tôt. Je crois que Linda a été contrariée. Walt s'est chauffé au whisky avant de se prendre le bec avec Harlan. Quoi ? Richard a dit quoi ? Essayeriez-vous de me piéger, lieutenant ? J'essaie d'éclaircir les choses en ce qui concerne la mort de votre père. Vous pensez qu'on l'a assassiné ? Vous pensez qu'un des membres de sa famille l'a assassiné ? Monsieur Blanc, je viens d'enterrer mon père qui s'est suicidé. Alors pourquoi êtes-vous là ? Je soupçonne un acte criminel et je n'exclus aucun suspect. Harlan faisait le ménage autour de lui. Chaque membre de la famille avait un mobile. Est-ce qu'Harlan avait prévu de couper les vivres à Johnny ? Est-ce qu'il prévoyait de virer Walter ? Est-ce que Richard avait une liaison ? Vos hypothèses sont osées. C'est drôle, Ransom. Tu ne viens pas à l'enterrement, mais tu accours pour l'ouverture du testament. Dans ton cul. Oh, c'est Ransom, on devrait se voir plus souvent. Cette famille est totalement désespérée. Lorsque les gens sont désespérés, ils sortent les couteaux. C'est un sac de nœuds. Et nous n'avons pas fini de tout démêler. Pour l'instant. J'attends toujours le grand dénouement. Ils m'ont tous menti. Il y a un coupable derrière tout ça. Si vous savez quelque chose, dites-le. Oh mon Dieu. Dites-moi ce qui est arrivé à mon grand-père. Je crois que vous avez certaines choses à me dire.